Bien salut à tous la Team Zen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info. Aujourd'hui on va parler de cette maj Fortnite 8.30, le patch note français. On a toutes les mises à jour et tout le contenu qui a été dévoilé par Epic Games. Et voilà du coup tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour. Alors en ce qui concerne le Battle Royale, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Eh bien il y a le van de rétablissement. En commentaire, on a ne baissez pas les bras, la bataille n'est pas terminée. Ramenez vos équipiers éliminés sur le champ de bataille grâce au van de rétablissement. Devenez le héros dans votre équipe. Alors, en gros, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre, malgré que votre équipe, par exemple, si vous êtes en section de 3 joueurs, d'être mort, et bien si on a encore un qui a envie et qui trouve une carte pour recharger, pour réanimer les 3 potes, et bien vous allez vous retrouver à 4 à nouveau et peut-être finir victoire. La victoire royale, donc victorieux. Alors, avec ça, on a changé plein de petites choses et il y a surtout des nouvelles choses qui sont arrivées. Il y a l'événement butin du boucanier, c'est sorti, donc Buccaneers Bounty Event en anglais. Eh bien, le commentaire dit « Ohé Moussaillon, atterrissez et trouvez une arme lors de l'événement butin du boucanier. Faites vos preuves chaque jour dans un nouveau mode temporaire et mettez la main sur des récompenses dans le jeu en trouvant les défis gratuits. » Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit les gars? Ça nous dit que grâce aux modes temporaires qui vont arriver en jeu tous les jours, donc quotidiennement, eh bien on va pouvoir avoir des défis gratuit et exclusif chaque jour du 10 jusqu'au 15 avril, ça a été confirmé. Eh bien, ces défis vont nous permettre de débloquer des récompenses exclusives. Alors, grâce à ça, on pourra avoir peut-être des skins, peut-être des pioches, des planeurs, qui sait, des revêtements. On va voir tout ça, les gars, à la fin de la maintenance. Pour l'instant, j'essaie de vous trouver quels seront les défis et quelles seront les récompenses, mais j'ai pas encore trouvé, mais je vous dirai ça dans une vidéo très 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 prochainement. Alors, le mode temporaire qui va arriver, premièrement, sera un mode aérien explosif. Alors en résumé, ce mode combine le style en gros explosif d'un mode temporaire très gros explosif qui s'appelle comme ça de base, sauf que avec un réacteur dorsal comme le mode coup de pompe de l'époque. Et du coup, en commentaire, ils disent envolez-vous et faites sauter tout ce qui se trouve sur votre passage. En gros, les détails du mode, c'est seules les armes explosives sont disponibles. Des réacteurs dorsaux apparaissent parfois en tant que butin au sol. Ce mode est le seul du Battle Royale dans lequel les réacteurs dorsal est disponible. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de réacteur dorsal sur d'éventuels coups de pompe. Parce que peut-être qu'il n'y en aura même pas, donc voilà. Le temps d'attente entre les tempêtes est réduit. Et les munitions de roquettes sont limitées à 120. Bon, 120 c'est quand même pas mal, donc pourquoi pas. On a des changements d'armes et d'objets dans le mode Battle Royale. Alors, bien sûr, les objets, c'est les vannes et les cartes qui vont avec les vannes de rétablissement. Alors, les vannes de rétablissement ont été ajoutées dans tous les points d'intérêt majeurs de la carte. Donc, tous les noms lieux-dits, donc tout ce qui est blanc sur la carte, Tilted, Pleasant, etc. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours retraçant les emplacements de tous les vannes de rétablissement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Alors, lorsqu'un membre de l'équipe est éliminé, donc il fait tomber une carte de rétablissement, qui peut être ramassée pour les autres membres de l'équipe. Donc tout simplement, vous trouverez la carte lorsque votre pote meurt. Les cartes et les vannes de rétablissement sont désactivées en solo, puisque vous pouvez pas vous réanimer, vous êtes mort en fait. Et dans les modes temporaires, en grande équipe, et dans tous les modes dans lesquels la réapparition n'est pas activée. Donc en gros, en mode 50-50, je crois, vous pouvez pas réapparaître. Mais en gros, vous pouvez être réanimé. Par contre, dans le 20-20 de, par exemple, foire d'empoigne, vu que vous réapparaissez automatiquement, vous n'allez pas avoir de carte puisque vous réapparaissez de toute façon, vous n'avez pas besoin d'être réanimé. Alors, les cartes de rétablissement persistent pendant 90 secondes après être tombées au sol. Ça prend 0,5 secondes à être ramassé. Ça veut dire, en gros, je crois que vous avez 1 minute et demie pour réanimer vos potes et trouver un van de rétablissement. Donc, c'est pas illimité dans le temps. Alors en ramenant des cartes de rétablissement à un van de rétablissement, tous les coéquipiers dont les cartes ont été ramassées seront ramenés sur le champ de bataille en retour. Alors les cartes de rétablissement peuvent être apportées au van de rétablissement par n'importe quel membre de l'équipe, sauf
que, en gros, la condition, c'est qu'il soit vivant, forcément. La durée d'interaction, c'est 10 secondes, donc c'est comme de prendre un medkit ou un kit de soins, du coup, c'est vous êtes en train d'interagir avec le van pendant 10 secondes. Les vans de rétablissement possèdent un délai de récupération, donc ils sont indisponibles après pendant 2 minutes après l'utilisation. Ça veut dire que vous allez utiliser pour réanimer vos 3 potes, et bien pendant 2 minutes, quelqu'un d'autre va devoir attendre, ou vous-même, vous allez devoir attendre pour réanimer, si jamais il remeurt à nouveau. Alors, les équipiers réanimés reviennent avec 100 PV, un pistolet de rareté typique, 36 munitions et 100 unités de bois. Donc c'est assez nul en termes d'armes, mais vous pouvez quand même vous protéger avec une dizaine de murs et tenir le coup jusqu'à ce que bah, vous soyez à 4. En gros, ça peut faire quand même pas mal de dégâts. 4 pistolets, c'est assez stylé. Alors, on a eu la correction sur un fusil d'infanterie, donc réduction de dégâts de 40 à 42 et de 38-40, l'augmentation des dégâts à la distance maximum de 26-28 à 32-34. Donc du coup, la réduction de la portée et de la perte des dégâts, c'est en fonction de la distance, hein, je sais pas si vous savez, donc du coup plus vous êtes loin, plus vous perdez en impact. Alors, il y a les applications de dégâts du piège à fléchette ne provoqueront plus de secousses à répétition de la caméra. C'est vrai que c'était assez chiant, etc. Il y a plein de corrections de bugs, les gars, qui ont été faites. Je vous invite, parce qu'il y a une liste quand même d'une vingtaine, trentaine de corrections qui ont été faites, à aller voir directement sur le site officiel de Epic Games. Alors, la jouabilité, forcément, l'événement butin du boucanier, donc comme je vous avais dit. Et tous les formats d'image ont le même champ de vision verticale sur Mac et PC, donc 16 neuvième. On ne peut plus, pour les compétitions d'ailleurs, Epic Games ont annoncé ça, on ne peut plus jouer en 4 tiers par exemple en compète, on est tous obligés de jouer avec la même résolution, ça évite d'avoir trop d'inégalités face à face. Alors il y a plein d'autres petites choses, mais je vous invite une fois de plus à aller voir, ainsi que pour les autres corrections de bugs et des compétitions, toutes les dates, etc., d'aller voir ça. Sur Epic Games officiel Fortnite. Pareil pour les performances, le son et l'interface. Alors, tout ce qui est mode créatif, il y a eu plein de changements. Il y a la sélection multiple, vous pouvez choisir tout un quartier et le déplacer, ça c'est pas mal. Il y a le thème de base militaire qui a été amélioré, rajouté. Et on a une zone de capture. Alors, c'est déposer un objet sur la zone pour marquer un point. Utiliser ce nouvel outil pour créer toutes sortes de parties de ce type. Capture de drapeau, donc un peu pour faire un mode par exemple domination sur Fortnite, ce qui est assez cool. Et il y a des îles qui ont été ajoutées comme l'île tropicale et l'île bord de rivière. Voilà les gars, pour plein de petites choses, tout ce qui est correction de bugs de l'arme, mode créatif, arme, objet, téléphone et tout ça, je vous en parle pas parce que c'est pas mon domaine, parce que je joue pas trop au mode créatif, mais je vous invite à aller regarder sur Fortnite. Battle Royale, Epic Games officiel, puisqu'il y a plein de choses qui ont changé, qui ont été corrigées, ajoutées, remaniées, en termes de performance, interface et d'ajout de l'île créative. Voilà les gars pour ce qu'il en était de cette mise à jour 8.30 de Fortnite arrivée aujourd'hui le 10 avril à 11h. Je vous attends tout à l'heure, nombreux, on va peut-être faire un petit live, mais en tout cas, je vous refais des vidéos à chaque petite information que j'ai aujourd'hui. Il y aura plein de petites vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a plein de choses qui vont être à suivre. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain, restez zen, salut à tous.